Donc sur le boulevard Sud, nous avons une œuvre artistique qui est en train de se faire. C'est le livre de Timagène Watt, qui est un écrivain, qui est un dionysien et qui a écrit un grand livre, le premier roman réunionnais qui s'appelle Les Marrons. Et donc Madame Stéphanie Lebon, qui fait cette œuvre artistique pour la ville de Saint-Denis, écrit ce livre dans le cadre de notre musée à ciel ouvert, puisque vous savez qu'à Saint-Denis, nous avons dans les quartiers des œuvres artistiques, des peintures, des sculptures, et maintenant nous allons avoir un livre. L'artiste va peindre 189 pages sur des panneaux, et donc pendant tous les mois jusqu'au 20 décembre, et nous espérons fêter le 20 décembre avec la livraison de ce grand livre. L'opération des sautes lumières, c'est de maintenant jusqu'au 20 décembre. Et tout cela sera numérisé par un chef d'entreprise qui numérise déjà un quart de l'ensemble de nos œuvres. Et les Dionysiens, les Réunionnais, les Réunionnaises vont retrouver l'ensemble de ces œuvres sur notre site de Saint-Denis. Et ainsi, chacun pourra choisir son parcours artistique en marchant, en faisant du sport, en étant en famille dans la ville de Saint-Denis pour découvrir, en piochant comme ça dans chaque quartier, l'œuvre qu'il voudra découvrir.